Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Alors, j'avais promis que je ferais un gâteau, mon premier gâteau camping-car avec mon four Omnia. On va faire un 4 quarts. On va essayer, hein? Et puis j'ai dit que tu ferais meilleur. Bon, ben, il fait pas tant. Eh ben, ça occupe, c'est bien. Ça a failli mal commencer parce que la balance est pas de pile. J'ai trouvé une pile, on avait mis de côté. Ah, mais quand même bon hein, sur ce coup-là. Autrement, c'était foutu pour le 4 quarts. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Alors, il nous faut du beurre, du sucre, de la farine, le même poids qu'on va peser les œufs. Et puis, il faut un citron, et puis 2 cuillères à café de poudre à lever. Et puis, le four Omnia. Mais on peut le faire dans un four normal hein, aussi. Pas oublier de peser sur rec. Alors, on va commencer par peser les œufs. Alors, hop. Faut éviter de mettre la coquille dedans. Alors là, on a 56, donc je pense que je vais en mettre 3. Pour faire un trop gros gâteau. Hop. Oh, ils sont gros ces œufs, ils sont beaux. Alors, combien ça va nous faire? On a 176 grammes d'œufs. Alors maintenant, on va peser 156 grammes de farine et 156 grammes de sucre. Alors, le sucre aussi 156 grammes. Et puis après, on fera la même chose avec le beurre. Coupin, dis bonjour. Tu me donnes les gringrins? Ouais, j'arrive, on va lui donner des gringrins. C'est notre copain des vacances. Attends. Alors, on doit prendre la moitié du zeste de citron. Alors, je vais faire comme ça parce qu'en fait, j'ai oublié mon zesteur à la maison. Alors, j'ai un couteau aussi. Puis, je fais comme ça. Je frotte un peu avec les moyens du bord, quoi. Puis, on met ça donc dans le sucre. La moitié du zeste de citron. Aussi, la moitié du jus de citron. Alors, forcément, moi, j'ai pas non plus de presse citron au camping-car, hein. On enlève les pépins parce que ça c'est pas terrible. Puis avec le reste, on se fera un bon jus à boire comme ça. Et puis on doit mélanger tout ça. Nous, on doit s'occuper du beurre. Il faut qu'il devienne crémeux. Et comme il fait pas des tonnes, eh ben, c'est pas évident de faire ça. Allez, battre une crème. On y va. Ben, dis donc, là, pas fini. Alors voilà l'installation. Hein. Alors, je passe devant, quoi, parce qu'il y en a un petit peu partout. Mais c'est cool. On va aussi battre nos œufs. On va attraper les bras à Popeye. Ensuite, on rajoute notre mélange sucre, jus de citron et zeste. Et puis, on va continuer de battre en mousse dans le beurre. Et c'est que ça va pas mal du tout, mon affaire. Regarde voir. Alors, on va ajouter nos œufs battus maintenant, puis remélanger. Le malade, hein, c'est minimaliste. C'est ça qui est intéressant. Là, faut y aller, hein, faut mettre de l'huile de coude. J'ai pris une fourchette parce que c'est vrai que mon plat il est un peu petit. Alors, hop. On va mettre ça dans le four Omnia. Alors, j'ai acheté des moules en silicone. Le turquoise, c'est pour le sucré. Le gris, c'est pour le salé. Et puis, on va mettre ça dans le moule. Alors, j'ai pas de marise non plus. Hein. Mais vous allez voir ce gâteau, ça va être juste une pure merveille. Je le sens super bien. Alors, on va allumer le four Omnia. Y mettre le couvercle. Et puis, laisser ça environ 50 minutes. Ben voilà, c'est parti. 50 minutes. Alors, je vais mettre sur mon Natel 50 minutes. Le Natel, c'est le téléphone. Nous, les Suisses, on appelle ça des Natel. La cuisson, c'est à 180 degrés, le 4 quarts. Ouais. Alors, j'ai baissé un petit peu le feu pour essayer d'obtenir les 180, 180 degrés. On va voir que ça donne.
Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il est bien cuit. Ça sentait un peu le brûlé, mon affaire. Voilà, alors c'est vrai que c'était pas facile de gérer la chaleur du four. Alors il est un petit peu trop cuit hein, pour moi, mais on verra, on va le goûter ensemble tout à l'heure. On va le laisser refroidir, puis on goûtera. Bon, bah pour moi, c'est un peu du charbon de bois. On va le couper. On va enlever, ouais, effectivement. Alors, moralité, il faut le cuire beaucoup plus doucement. Pour moi, ça n'a pas été facile, la gestion. L'avantage, c'est qu'avec ça, on peut mettre pour ce soir la grillade pour le charbon de bois. Hein? C'est déjà pas mal. Bon, alors on va goûter. En tout cas, il est cuit, hein, dedans. Ah ouais. Alors, simplement, le cuire beaucoup à plus basse température. J'ai fait le feu trop fort, autrement le goût est bon. C'est sympa. Donc, faut peut-être boire un petit thé avec ça. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai coupé ce qui était brûlé. Ouais. C'est excellent. Tu en as vu des perruches. Oui. 5 perruches. Ben, je vous mettrai les perruches. Vous pouvez mettre quand même un petit pouce levé pour m'encourager à continuer à faire ce genre de petites vidéos un peu ratées. Et puis, me mettre des gentils commentaires parce que ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci de me suivre, ça fait toujours plaisir. À bientôt. Bye bye tout le monde. Ça va?